Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo sur le thème des compléments alimentaires, dans la série des compléments alimentaires. Et aujourd'hui, on va aborder la citrulline malate, qui est un complément que j'aime beaucoup, que je trouve très intéressant. Alors, qu'est-ce que la citrulline malate? C'est le mélange de la L-citrulline, qui est un acide aminé, avec de l'acide malique. Ben, la citrulline malate a un certain nombre de propriétés intéressantes, notamment en pré-training, et on va en parler dans cette vidéo. Première propriété intéressante de la citrulline malate. La citrulline malate, c'est un vasodilatateur. Vasodilatateur, c'est-à-dire qu'il relâche les vaisseaux sanguins, il les élargit. Pourquoi c'est intéressant? Bah parce que lorsqu'on s'entraîne, il y a un afflux sanguin vers le muscle. Le sang est enrichi en nutriments. Le sang reste bloqué. C'est le phénomène d'ischémie. Il reste bloqué dans le muscle qui travaille. Une partie reste bloquée dans le muscle qui travaille. Donc évidemment, s'il est enrichi en nutriments, ça devient très intéressant qu'il soit bloqué dans le muscle. On essaie d'avoir un afflux sanguin le plus important possible. D'où l'intérêt d'utiliser un vasodilatateur avant la séance. Je vais vous expliquer un petit peu par quel processus est un vasodilatateur. Alors la citrulline malate se transforme en arginine. Et l'arginine est un précurseur de l'oxyde nitrique. Donc l'oxyde nitrique est synthétisé à partir de l'arginine. Et l'oxyde nitrique est un vasodilatateur. Ce n'est pas l'arginine qui est le vasodilatateur, c'est l'oxyde nitrique. Et l'oxyde nitrique, c'est une molécule qui relaxe les vaisseaux sanguins. Donc on voit que la citrulline malate se transforme en arginine. On pourrait prendre de l'arginine directement. Mais c'est une erreur de prendre de l'arginine directement et sous n'importe quelle forme qu'elle soit. Il y a beaucoup de formes d'arginine différentes sur le marché. Je trouve personnellement que c'est une erreur de prendre de l'arginine directement, simplement parce qu'elle n'est pas forcément bien absorbée par le corps. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pertes dans ce que l'on prend d'arginine. Il y a déjà une quantité qui est perdue, qui ne passe pas certaines barrières dans le corps. Et en plus, ce qui a pu passer peut être détruit au niveau de l'intestin par une enzyme qui s'appelle l'arginase et qui a pour but de détruire l'arginine. Donc au final, sur une quantité donnée d'arginine consommée, il y a réellement une faible quantité qui atteindra le sang. Alors pourquoi c'est intéressant de prendre de la citrulline malate? Parce que la citrulline malate, elle, va passer toutes les barrières que l'arginine ne passe pas. Une fois ces barrières passées, elle les transforme en arginine, et donc ensuite sera synthétisé l'oxyde nitrique. Le principe est le même, sauf que la citrulline malate, elle, peut passer toutes les barrières que l'arginine ne passe pas. Donc, des études ont été faites, et on s'est aperçu qu'à dose égale prise d'arginine et de citrulline malate, les taux sanguins d'arginine et d'oxyde nitrique étaient supérieurs chez les gens qui avaient pris de la citrulline malate plutôt que chez les gens qui avaient pris de l'arginine. Donc voilà pourquoi je vous recommande la citrulline malate en pré-entraînement. Alors pourquoi a-t-on intérêt à prendre de la citrulline malate avant l'entraînement? Eh bien parce qu'on profite, de par la vasodilatation, d'un apport plus grand de nutriments au muscle qui est en train de travailler. Une plus grosse quantité de sang enrichi, c'est plus de nutriments qui arrivent au muscle. Donc, meilleure réparation musculaire en fin d'entraînement, puisque les nutriments sont déjà disponibles en plus grande quantité. Mais en plus, à la fin d'entraînement, la vasodilatation permet d'éliminer plus de déchets métaboliques, plus de lactate par exemple, qui s'est cumulé dans les muscles, donc une meilleure récupération. Et ça, c'est particulièrement vrai et ressenti par les gens qui entraînent un même muscle ou des mêmes muscles deux fois par semaine. On ressent vraiment une différence en termes de récupération et de courbature. Deuxième intérêt de la citrulline malate, l'aspect énergétique. Alors là, c'est pas la L-citrulline qui va apporter l'énergie, c'est l'acide malique. Pourquoi? Parce que c'est un composant du cycle de Krebs, qui est le cycle de fabrication d'énergie. Et lors du cycle de Krebs, il y a fabrication d'ATP. Et l'ATP, ou adénosine triphosphate, c'est la molécule qui fournit l'énergie aux cellules. Si on a plus d'ATP disponible, on peut faire plus de répétitions. On peut prolonger d'une à parfois deux répétitions. On sent qu'on a un peu plus de force. Ce résultat est dû notamment à la présence plus importante dans le corps d'ATP. Donc, intérêt d'utiliser la citrulline malate, bah, tout simplement, plus d'ATP. Et qui dit plus d'ATP dit un entraînement plus productif, bah, par le biais de séries prolongées. Même si on gratte une répétition par-ci par-là, à la fin, en termes de temps sous tension et en termes de tonnage, à la fin d'entraînement, on a quand même gagné quelque chose. Et enfin, dernier effet recherché en utilisant la citrulline malate, l'effet tampon, c'est-à-dire la capacité de la citrulline malate à basifier le pH dans le muscle alors que celui-ci devient trop acide dû à l'accumulation de lactate. Lorsque l'on s'entraîne, on produit de l'acide lactique se transforme en lactate, les lactates vont vraiment acidifier les muscles et par conséquent, une augmentation des lactates représente une baisse de la capacité à contracter efficacement les muscles. Donc par voie de conséquence logique, si on a basifié le pH du muscle, il y a moins d'acidité, on peut contracter les muscles plus efficacement, plus longtemps. Basification égale entraînement prolongé. Voilà encore un intérêt de la citrulline malate. Voilà, on a fait le tour un petit peu, on a expliqué les intérêts de la citrulline malate, donc on fait un petit peu le tour. Ses atouts, la capacité à être vasodilatatrice,
par son action sur l'oxyde nitrique, l'augmentation de la production d'ATP par le biais de l'acide malique, et enfin son effet basifiant par cet effet tampon. Alors quel dosage recommandé? En général, on parle de 6 à 8 grammes. Plus on s'est aperçu que ça pouvait générer des maux d'estomac, donc 6 à 8 grammes, ça reste une dose raisonnable. On a vu en général qu'au-delà de 10 grammes, il y a quand même pas mal de soucis au niveau de l'estomac. Donc restez sur cette dose qui est très très bien, qui fait déjà bien le taf. Quand il y a des gens qui la divisent en deux doses quotidiennes, par exemple 3 grammes et 3 grammes ou 4 grammes et 4 grammes. Personnellement, j'en vois pas l'intérêt parce que je trouve que le moment où on doit absolument maximiser tout ça, c'est vraiment juste avant l'entraînement. Donc en ce qui me concerne, je la prends et je la fais prendre à mes élèves 30 à 45 minutes avant l'entraînement. C'est selon moi le meilleur moment de la prendre. Je ne vois pas l'intérêt de diviser en deux prises. Pour moi, c'est vraiment en pré-training qu'il faut tout maximiser. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et pourra vous être utile. N'hésitez pas à me retrouver sur mon site internet www.bikacoaching.com où vous pourrez retrouver mon actualité, lire les articles que j'écris sur mon blog et vous renseigner sur mes offres de coaching. Retrouvez-moi aussi sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat bika-coach et Facebook bika-coach. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.